Bonjour à tous et à toutes, c'est Orochi d'Historia Games et nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de ce Let's Play sur The Guild 2, donc l'aventure suivie, je sais pas comment j'aurais appelé ça, j'avoue que je n'ai pas pensé du tout à ça. Donc dans le dernier épisode, nous avons un peu découvert les bases du jeu et on va continuer notre petite expérience, j'ai envie de dire, dessus. Donc, nous étions en train de produire des petites choses, il me semble. Je vais pas encore engager un autre patron, même si j'ai l'argent pour en faire un deuxième. On va pas en faire un deuxième. Il faudrait que je recrute peut-être quelqu'un de plus. Que vous en pensez? Ça serait pas mal hein, qu'on recrute quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un produise des murs et l'autre des lapins. Quelqu'un d'autre pour la rendre. Alors, on va faire ça. Alors, souhaitez-vous engager Jacques Tessier pour la somme suivante? Producteur Jacques Tessier, salaire pour tous 108. Bah écoutez, on va faire oui. On va assumer en espérant. Le maître de guilde de le maire de Truy, après avoir demandé pour essayer d'en trouver de tous les honnêtes citoyens de Lyon, le conseil des doyens de la guilde a décidé de nommer ses maîtres de ces 4 guildes pour l'année 404. D'accord. On va peut-être dire bonjour à Léonore Trigg pour voir ça. Alors normalement j'ai un nouvel employé, voilà, donc j'ai le mec, donc on va demander qu'il produise. Il va les produire deux. Je m'y mets tout de suite. On va produire des murs, mec. Comme ça, on va produire. On va faire un. On va faire un bon plein. J'ai envie de dire. Pendant ce temps. Et donc, par jour, à mon avis, je perds. J'ai toutes les sommes qui doivent se mettre à jour. Ici. Alors. Plus voici. Votre relation avec la dynastie d'Artigue est passée sur. Pas que nous devions être sur la situation neutrale. Ah. Ok. Alors écoutez, on va aller se. Un bâtiment est attaqué. Oh, on attaque mon bâtiment, mais pourquoi? Qu'est-ce que je peux y faire? Eh hey. Je peux envoyer combattre mon personnage, mais je n'ai pas d'épée, donc. C'est un peu problématique, surtout qu'ils ont des trucs. Je devrais m'en équiper, hein, je pense. Hein. Un bâtiment est attaqué. Bravo. Oui. J'ai vu ça en avant. Oh. On m'attaque. Heureusement, il y a les gardes qui réagissent. Bon, bah, on va pouvoir. Et... Encore quelqu'un? Bon, j'ai appelé mon personnage. Ouais, il va m'attaquer. Parce que là, apparemment, le garde a décidé de ne plus attaquer. Alors, de toute façon, voici le mode de combat. Les coups de poing que je donne, c'est magique, hein. Il y a un prêtre, là, qui vient voir qu'est-ce qui se passe. Alors... pas rendu, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, on n'est pas rendu du tout. Bon, on va laisser ça comme ça. Écoutez. Je devrais peut-être aller m'acheter quelque chose quand même. Enfin, allez. Est-ce que je peux acheter directement là? Une dague, une épée, putain, elle coûte cher l'épée là quand même. Une épée courte. On va prendre une petite épée courte, qu'est-ce qu'on pensait? Je sais pas pourquoi il. Ouais, est-ce que. Qui qu'on revêt ce genre conseille une forte hausse des compétences physiques. Ah. D'accord, en raison d'un. Les dagues. Ah d'accord, c'est par rapport au prix. Pas de personnage là, donc je sais pas. Il y a un problème. Apparemment c'est bon, on va aller au marché. Et on va essayer de draguer et puis de lâcher une petite épée.
pour au cas où on m'attaque la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dangereux le Moyen-Âge. C'est dangereux, dangereux. Alors j'ai oublié de mettre mon chrono parce que je suis débile. Voilà, je le remets. Donc là, vous voyez que mon bâtiment est un petit peu endommagé. On peut demander de le rénover. Bon, je peux pas le faire avant 9h30. Bah, écoutez, on fera ça plus tard. Je sens que je n'étais pas non plus très très endommagé. Donc c'est pas très 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 grave. On est parti sur l'eau pour mettre le jeu. Oui, ça, merci. Alors. D'ailleurs, où est mon personnage? Je vais vérifier un petit truc. In vino veritas. Voilà. Donc, je voulais savoir comment ça se passait en fait après pour nous. Pour passer les levels. Normalement, il faut cliquer sur Dynasty. Voilà. Donc là, on peut voir tous mes trucs. Là, on voit mon XP. Donc là, je peux même augmenter mes d'autres caractéristiques. Si tu peux l'intérieur, je peux peut-être augmenter mon marchandage. Je vous en pensez. Alors, je sais pas à quoi correspond ces symboles. C'est peut-être les symboles où je dois pas forcément bien augmenter. Et on va augmenter encore son charisme, parce que voilà, mais comme ça. Mais... Et apparemment, je suis passé niveau 2. Voilà, je suis lettré niveau 2. Très bien. Et je peux avoir une compétence de niveau 2. Donc là, on va mettre en jeu en boss quand même. On va voir ce qu'on peut on va prendre. Donc en niveau 2, on peut avoir quoi? On peut avoir économie d'espace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'ai pas vu. Ah, on recommence. Qu'est-ce que économie? Bien, ce. Alors, voilà. Vous êtes de ceux qui prennent. Ok, donc c'est pour avoir plus de place. Ma verte. C'est quoi ma verte? Eureka, vous avez trouvé la forme secrète pour faire pousser vos graines à coup sûr grâce à l'engrais des céréales pour si vite en avance que l'amélioration de vos fermes augmente de 10%. D'accord. Mon moteur, vous avez tout compris grâce à votre capacité de mouvementer la mer de vos employés. D'accord. Culture. Ok, c'est un truc qui permet d'augmenter plus d'XP. D'accord, ruse de combat ou sommeil profond. Ok, bon bah écoutez, on va prendre culture. Hein. Voilà, donc j'ai dû prendre culture. Hein. Je crois. Je suis pas sûr. Peut-être. On ne saura pas. Bon, je suis culture, regardez, voilà. Donc là, je suis toujours pauvre, hein, je suis dévotion moyenne. Bon, c'est vrai que je suis pas encore allé à l'église. Ah, il faudrait que je rencontre une femme. Parce que là, ça commence à venir un petit peu... Hein. Oh, ouais, elle a l'air mal en point. Mais bon, pourquoi pas pour commencer... un premier mariage que vous en dites. Sinon je me mets avec avec Bailly, avec Agnès qui m'a pas l'air de... Non elle me c'est pas tellement ça quoi et elle. Bon elle est très faible. Je sais pas pourquoi elle est fatiguée comme ça mais c'est étonnant. C'est quand même autre là. Encore des gamins s'ils veulent. Alors c'est quoi ça? C'est encore un homme. Y a pas une demoiselle en détresse là? J'ai pas l'air d'être ah elle a l'air pas trop mal. Ouais pas tellement ça hein. C'est pas tellement ça, mais bon, je pense qu'on va faire avec. Écoutez, donc je dis, oui. Je disais, mademoiselle, on va essayer de te draguer. Alors, ça, il faut aller là. Bon, voilà, on fait ça. Oui, bono. Alors, il y a eu un message. Si vous n'avez pas entendu, le cœur d'un lettré, il semble. Normal, on va embarquer dans de longues conversations. Les lettrés ne sont pas non plus allergiques ou plus loin, elles sont quand même dansées. Une fois, le début du discours, je parle très mal, hein, comme vous pouvez voir. Il est possible de se dire un lettre tissant. Ah, ok, c'est une lettrée, donc ça peut être pas mal. Ok.
Donc on va retirer la pause. Donc normalement on va commencer à parler. Je vous trouve séduisant. Voilà. Et si nous marchions un peu? Donc mon personnage drague. Oui. Plutôt réceptive, donc c'est plutôt, ça c'est plutôt cool. Une tentative de séduction vient de commencer. Donc voilà, ça c'est assez drôle, écoutez, je trouve ça marrant. On va continuer. Duralex, c'est de l'ex. Alors maintenant, pourquoi j'ai perdu mon truc? J'ai perdu mon truc, peut-être, je sais plus où il faut cliquer. Progression, ouais j'ai commencé. Ouais bah je voudrais bien mais je peux point. Assez souhaite là. Oui Bono, j'adore votre chaîne de coups. Elle va si bien à votre. Merci pour ces gentilles paroles, monsieur. Monsieur, c'est pas. Non, tu peux te faire plein de choses. Hein. Est-ce que je peux vous faire un cadeau? Variatio delectat. J'ai pas de cadeau sur moi, donc j'aurais du mal. Je peux pas le faire, donc je peux pas charmer, éteindre quelqu'un. Je peux demander comme je suis. Bon, c'est pas encore maintenant. Bon. Moi, j'aurais retenu que je suis avec en train de draguer Tissatisler. Duralex, c'est de l'ex. Je n'étais pas là pour ça à la base, je vous l'admets. Oui, je sais, faut prendre une main. J'étais plutôt en train de. L'inventaire est plein. Enfin, mon inventaire est plein, j'ai rien dans mon inventaire. J'étais plutôt en train de réfléchir à m'acheter un petit. Une épée. Mais, j'ai vraiment du mal. Tac. Bon alors. Je peux pas, tout à l'heure j'ai réussi à prendre, mais en plus mon personnage est pas dedans. La cour revient sur sa décision. Ok. Allez à Jacta Est. Oui bah j'aimerais acheter. Ah peut-être faut aller. Oui, du. Voilà, on va demander d'aller voir ça. Oh là. Il était un petit peu bousculé, non mais oh. Donner objet, attaquer. Alors. Je peux pas acheter. Allez à Jacques Variatio Delectat. Ardua prima via est. Il y a quelqu'un chez moi. C'est chez moi, pardon. Pourquoi je ne peux pas? Allez à Jacta Est. Bon écoutez. Je sais pas du tout. Allez à Jacta Est. Comment se fait-ce? Je ne comprends pas. Normalement c'est ici et. Enfin, c'est plutôt ici. Allez à Jacta Est. Clique là et normalement je peux. D'ailleurs en plus j'ai sélectionné, vous l'avez bien vu. Et là ça ne veut plus, donc je ne sais pas pourquoi. Ni comment. Je peux acheter une canne, sérieux. Merci. Et là je peux l'acheter, pourquoi? Je peux pas acheter tout ça. Mais... juste des informations sur la canne, je peux pas en avoir. Et là ils veulent pas, bon. J'y comprends rien. Mais je vous avoue que ça m'ennuie un tout petit peu. Bon, écoutez, on va refaire venir. Beati popere spiritu. Normalement si je peux trouver normalement les personnages en coin. Ouais. Alors, où elle est, ouais, le problème c'est que où elle est la petite Laetitia, ça c'est une grande question encore une fois. Famille neutre, femme courtisée, voilà. Ça, on peut aller la voir. Tac, on va demander à mon personnage. Quoi maintenant? Ardua. Oui, bah, Bono. Quand tu vas draguer du coup, hein. Ce sera l'objectif séduction de cet épisode, écoutez. On va la complimenter. Et mon personnage. Ah, ça doit être l'autre marché, ça. Non, peut-être. Je ne sais pas. Où je suis. Où vais-je? In vino veritas. En quelle étagère? Alors, normalement,
ça devrait être bon. Voilà. C'est une nouvelle robe. Elle est si propre. Ça, c'est de la drague. Merci pour ces gentilles paroles, monsieur. Monsieur, encore une fois. Non, non, mais ça me plaît pas trop quand tu m'appelles monsieur. Ah, d'accord, on peut pas... C'est un peu chiant. Hein. Bon, allez, on va rentrer dans la capturerie, écoutez. Hein. Variatio delectat. On va voir comment ça se passe à l'heure. Je peux la rénover, donc on va en profiter. Hop. Rentrer à l'intérieur. Et donc, on va voir les améliorations. Ça, c'est plutôt bon. Dans la production. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, les mecs arrêtent de travailler parce qu'il n'y a plus d'espace. Enfin, sauf pour aller avant. Donc, on va en profiter pour. Un bâtiment vient d'être rénové. On peut faire ça. On va essayer de faire. On va prendre un peu plus de la moitié. Tac. On va faire ça. Oh, ah merde, je peux pas mettre plus de 20. D'accord. Toi. Allez à Jacta Est. Faire ça. Ensuite, dehors. Toi. Le chariot grince. Bah, le chariot grince, bah, tu te démerdes. Aucune route n'est trop longue. Tu te démerdes, mon pauvre vieux. On va faire ça comme ça. Alors. Bon, j'ai pas beaucoup d'argent et encore un peu de mal, je vous l'admets. Ce qui fait que forcément, c'est peut-être pas forcément bien intéressant ce que je fais. Et surtout, je ne comprends pas comment ça fait, ça, je n'arrive pas à acheter des trucs. Alors, à moins qu'il faut envoyer ma chariole, mais c'est complètement débile, mais bon, c'est pas très très grave. On va accélérer un petit coup, hop. Tant que ma truc arrive. Là, il se passait quelque chose. Propose un contrat comme ça pour la cour d'un problème pour une dague empoisonnée. Ouais, ok, je l'ai pas. Alors, ensuite, hop, normal. Ici, ça fait quoi si je fais envoyer charrette, décharger. Décharger et repartir. J'avoue que là, je suis un peu en train de découvrir. Alors, est-ce que ça fait ça vend? Ah ouais, ça fait vendre. Ok, donc on peut faire ça comme ça. Bon, c'est bon à savoir. Sauf que il faut que je travaille. Ouais, attends deux secondes. Je voudrais savoir si je peux maintenant acheter une épée. Moi, je peux l'acheter l'épée et je peux la mettre dedans. Ok. Et pourquoi ça voulait pas avec mon personnage tout à l'heure? Ce sera un mystère. Bon. Alors, hop. Où ça? Bah, tu vas rentrer. Tu décharges. Quand je l'aurai décidé. Bah, comment ça quand tu l'auras décidé? C'est pas toi le patron ici, hein? Oh. Alors pendant ce temps ça avance. Ouais, j'ai fini mes tisanes. En fait j'ai eu temps de recruter quelqu'un. Je peux pas améliorer encore une fois les. Je peux pas améliorer l'espace parce que là je trouve que ça vient un peu critique là. Hein. Apparemment non, hein, donc. Vente de bâtiment, évacuation, gérer le bâtiment. Les charrettes se déplacent plus lentement aux zones ionnières, d'accord. Non mais c'est bon. En fait, on va demander à un autre personnage de s'occuper de la production. Parce que, quoique c'est reparti pour. Ouais, forcément, ce qui est en train de produire. Mais on va demander à celui qui produit les murs. C'est. Non, pas les murs. Non, non. Stop là, la vente. Allons-y. Faire ça. Et toi, tu vas arrêter. Personnage principal, Alex, tu c'est vas sortir Alex. Et tu vas aller au marché, encore une fois. Sauf qu'on va mettre en pause de petite seconde, parce que là, maintenant, j'ai dû avoir... Regardez mon ralenti, magnifique. Wow, moonwalk. Non, ouais. Bah, j'ai une petite épée. Est-ce que je peux...
J'aimerais la prendre et la mettre sur mon père. Quoi, maintenant? Oh, ça y est, parti, reviens. Allez. Cui bono? Voilà, reviens deux secondes. Ah, bon, j'ai un tour, mais je voudrais t'équiper en fait d'une épée. Voilà. C'est bon, maintenant. In vino veritas. Et on va pouvoir aller sur le marché. Variatio delectat. Non, pas au marché. Faut qu'on. Faut retrouver. Oh, j'ai du mal, hein, excusez-moi. Hop. Donc, elle est juste là. Donc, tu vas me l'embrasser. Allez, on va faire les foufous. T'es elle, moi. Hein. Le mec, il clique sur la mauvaise unité. Alors, attention. Vous voulez voir ce baiser, hein. Vous voulez le voir, évidemment. Quelqu'un se sent abandonné. Mais non, mais j'arrive. Oh, mais il est où, mon personnage? Beati Poperes. Mais cours. Dépêche-toi. Oh là là. Je vous jure, attention, ça va se faire. Regardez. Oh, oh, oh bah, non, ils ont pas touché, on a vu, ils ont pas touché. Je suis désolé, Yarnak. C'est très bien, monsieur. Ah bah merci. Pourquoi il y a -2? T'as pas aimé? In vino veritas. Je peux offrir un cadeau, tiens. J'ai pas d'abouger dans l'inventaire, forcément. Parce que vraiment, quand je vais au marché, ça veut pas acheter donc. Je fais comment concrètement? Parce que, encore une fois. Quoi maintenant? Moi, pas bien qu'un plan de comment fonctionne. Qu'est-ce qu'on va faire? À la limite, je peux continuer à draguer si je le retrouve. C'est marrant parce que je peux. Je comprends pas pourquoi je peux pas. Tout simplement, en fait, j'ai des trucs rajoutés à mon personnage parce que. Enfin voilà quoi, c'est. Pourtant, mon personnage est au marché. Quoi maintenant? C'est ça que je comprends, j'ai du mal à comprendre en fait. Un magicien là. Qu'y a-t-il? Et là je peux. On va aller savoir pourquoi. Alors divers. Fleurs de discorde, parfum. Ça coûte cher le parfum. Torche. Tisane. Ah, tisane c'est bon qui l'a produit donc c'est pas la peine. Des lunettes d'Argus, c'est quoi ça? Tout comme celui qui vous est aussi net en montrant votre perception visuelle. Oh. Les poèmes. On achète un poème. Allez, on achète des poèmes. J'ai dans ma poche un poème. On va rentrer, je pense. Y a pas une église en coin, non. Alors, ah, on passe à, au jour suivant. Hiver 408, déjà. On passe tous les 4 ans une saison en plus, quoi. Donc c'est un petit, c'est vrai qu'on va assez vite dans le jeu. Alors, faudrait que je retrouve encore une fois le personnage qui m'intéresse. Alors où tu es? Que je te visualise. Voilà. On va aller dire bonjour, ah bah juste là. Écoute, c'est parfait, tu vas aller poème. Poème, non ça veut pas. Éteindre quelqu'un, charmer quelqu'un, embrasser quelqu'un. Bon, voilà, on va charmer. Écoutez, on va charmer. Hop. Comme ça. Diviser pour mieux régner. Alors pourquoi ils disent ça, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Okay.
Enfin, on n'entend rien de ce qui se passe. Ce fut une conversation intéressante, merci. Mais apparemment, c'était intéressant. Écoutez, pourquoi pas. On va offrir un cadeau à Mademoiselle. Diviser pour mieux régner. Un poème que j'ai acheté. Allez. Je t'offre un poème. Il y a un problème ? Alors, là, je peux peut-être plus parler maintenant. Quelqu'un vient de tomber amoureux de vous. Oh, super. Oui ? Cui bono ? Le mec, comment il a gueulé, c'était un petit peu... c'était magique. Et on va faire notre demande en mariage, écoutez. Regardez-moi ça, c'est pas beau ? C'est pas beau ? C'est pas beau ? Et si nous nous marions ? Qu'en dites-vous ? C'est beau. On va se terminer sur un mariage. Volontiers. Elle a accepté. Notez quand même que j'ai pas encore fait la... j'ai pas encore fait le rapport. Oula ! J'ai perdu beaucoup d'argent. On va se marier ici tout de suite. On va pas le faire ailleurs parce que je suis en manque d'argent. Donc voilà, je suis marié. Donc c'est fantastique, c'est merveilleux. Et on peut voir que bah, du coup, voilà. Qu'elle a gagné un petit peu en rang apparemment. Et voilà, donc maintenant, oui. Je peux la contrôler et... Errare humanum est. Et lui aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là. Donc on s'est marié, on va continuer au prochain épisode, donc on verra comment on va se débrouiller avec nos nouveaux tourtereaux. Hein. On va essayer de faire aussi des enfants. Parce qu'évidemment, il faudra faire notre dynastie, puis je vais essayer de me faire plus de fruits, parce qu'effectivement, ça devient un peu dangereux ce qui se passe. Ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Non ? Je dirais quelqu'un. Je vais renvoyer un de mes mecs. En tout cas, bon, je m'arrête là. Si vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'en tout cas c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et à faire un petit tour sur Historia Game. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Donc, on peut essayer. Là, il est 6h du matin, comme on peut le voir. Donc, il n'y a pas grand monde. Hein. Et surtout, il faut trouver une femme. Ce qui n'est pas facile. Donc, on peut zoomer et tout ça. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Voilà, donc la voix nous dit qu'il y a un bâtiment qui a été construit, donc on va y aller. Hop. On va rentrer. Bon, on va dire même au personnage de rentrer à l'intérieur, carrément. Ardua prima via est. Tout à fait. Et on va rentrer à l'intérieur. Hop. Et je vais vous montrer donc comment ça se passe à l'intérieur. C'est ici qu'on fait un...